Salutations. Bonjour, Frédéric Molas. SLT, bonjour. Ça va bien? Bah en ce moment, Twitch m'ennuie, je vais pas te mentir, Fred. Ça commence comme ça. On va tous se retrouver sur TikTok. Hein. Je t'imagine tellement pas faire des TikTok. Je pense que je préférerais vraiment littéralement crever, quoi. Je préférerais vraiment une voiture me renverse. Alors, Fred, je te préviens. Mintos a touché une seule fois au jeu dans sa vie. Ah. Voilà. Florence n'y a pas joué depuis une éternité, donc elle se souvient de... Je vais vous dire ce que je sais faire. Je sais virer l'eau de la cale, je sais réparer le mât, je sais boire des bières, je sais danser, chanter, voilà, tout ça. Bah, tu sais faire ce qu'il faut. Et creuser. Allô, oui, bonsoir, j'ai eu une déco de stream, excusez-moi. Ah, j'ai hâte de voir vos personnages, à quoi ils ressemblent, tu vois. Moi, c'est un petit cochon. Mais du coup, ce qu'on s'est dit avec Fred, c'est que on va pas faire le truc Pirates des Caraïbes, on va faire des fables. En fait, on me souvient que lors de ce fameux live Fred ultra catastrophique qu'on avait fait avec Fred, avec Seb et Karim, on avait commencé une fable qu'on avait jamais finie. Du coup, je pense qu'on va la reprendre à zéro, tu sais, avec les deux amoureux là. Je sais pas si tu te souviens. On l'avait pas fini ? Non. On l'avait même pas faite du tout, en fait, la fable. Ah oui, c'était quand on avait enchaîné les galères et à la fin, on s'est fait couler par un kraken. C'est ça, et ensuite, le serveur a reboot. Oui, ouais. C'était quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Voyons à quoi tu ressembles un petit peu. Attends, faut que je me mette à la lumière. Ouais, vas-y. Ah, t'es ravissant. Ah oui, c'est magnifique. Ah oui. Ah, c'est la madame de la cantine. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est vraiment ça, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? The Pirate Games Begin. Are you fighting fit? On s'en fout un peu. Daily challenge with the spouting theme and await the pirate. Il faut qu'on aille parler à Briggsy, mais je sais plus où est-ce qu'elle se trouve. Ah, mais c'est vrai qu'on est juste à côté du. Effectivement, du. Il faudra pas aller là-dedans. Oh, ça dépend si on veut du fun ou pas. C'est vrai que la dernière fois. Ah, bah c'était fun. Bah, déjà, si vous n'avez pas l'habitude, première chose, dispersez-vous à tes souhaits. Dispersez-vous sur l'île et ramassez tout ce qui traîne dans les tonneaux. Le bois, les canons, les boulets de canon, etc. Très important. Juste de ça, c'est tout. Faut que je parle au collectionneur dans une tente. Il est là, la tente, là. Surtout du bois. On va en avoir besoin pour réparer le bateau. Beaucoup de bois. C'est très important. Beaucoup de bois. Ça va bien se passer, le bois. Beaucoup, beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Il y a une tête de pirate dans l'air. Là-bas, c'est l'enfer. C'est l'enfer, globalement. C'est trop mignon, il y a une tête de pirate dans l'air. Après du bateau, c'est de l'autre côté, très bien. J'y vais. Ouais, c'est complètement de l'autre côté, Mintos. Chiant, l'été, il y a plein de mouches partout. Tu veux dire dans le jeu ou IRL? IRL, j'en peux plus, quoi. Et que t'as pas pris de douche depuis 6 mois aussi, il faut le dire. Même avec ça, c'est pas une raison. je sais que je radote, mais je trouve que Sea of Thieves, c'est l'une des plus belles mers du jeu vidéo qui existe. Bah attends que je te montre Star Citizen. Il y a pas la mer dans Star Citizen, il y a l'espace. Si, bien sûr, il y a la mer aussi. Il faut que je te parle. Non, c'est pas vrai, en plus elle est pourrie, comme ça. Bon, je pense qu'on a à peu près tout, on peut bouger, là. Ouais, mais attends, il faut qu'on prenne la quête, en fait. Faut toujours que je trouve le collectionneur. Et les larves, on en fait quoi? Si tu les manges, tu vomis sur les gens. Alors l'idée, c'est que tu les manges et que tu vomis sur Mintos. Voilà. Mintos, à tout hasard, par exemple. Fait-il? Non, t'inquiète, y'a rien. Faut qu'on aille à Sanctuary pour prendre la quête, ok? Bon alors, attends. On va lever l'ancre, déjà. Y'a Mimitos qui est revenu? Non, il est pas revenu, Mimitos. Allô, j'arrive. Mintos! J'arrive. Il fallait que je parle à l'autre, là. Attendez, arrêtez de lever l'ancre. Mais non, il a le temps d'arriver, c'est bon. Ouais, mais il bouge pas. Ah bah, il va se bouger le cul. Allô? Angle, aide-moi à lever l'ancre. J'attendais Mimitos, c'est pour ça. Voilà, mais c'est bon, il va... Je suis là. Il est là. Navire à bâbord. Effectivement. Qu'est-ce que c'est comme navire? Ah, c'est un sloop squelette, c'est pas un joueur. C'est un joueur? D'accord. Non, c'est pas un joueur. Non, le truc était coloré, donc je me suis dit c'était un... C'est bien en face qu'il faut que j'aille. Vous pouvez me dire sur la carte, s'il vous plaît? Je vais... Ouais, alors quelqu'un peut le guider sur la carte, moi je vais à la vigie. Alors, je vais sur la carte. Moi, je suis devant. Je regarde, j'essaie de te voir. Aïe. C'est l'avant-poste Sanctuary, tu veux aller? Alors, non, là, non. Là c'est le rocher, droit devant. Droit devant, faut que j'aille à... Ok. À droite, à tribord. Ouais, mais là, on se fait parler par l'autre connard et j'ai pas envie de lui, là. Ok. Redresse, redresse sur la gauche. Il y a des rochers, attention! Oui, je sais! T'inquiète, Mintos. Il y a la tête de pirate aussi, hein. Oui, mais lui, on va pas lui dire bonjour. Alors attention, on se fait shooter dessus sur tribord. Oula! Oui! Attention! Non, mais c'est bon, on va. Tout va bien. Non, on va se barrer, Tout va bien. Il y a des fantômes. Il faut réparer le mât, s'il vous plaît, messieurs, dames. Le mât, j'arrive! J'arrive avec des planches! Le mât. Peut-être. Une affaire bien mal engagée. Va falloir bientôt jeter l'ancre, je pense, non? Attends, je suis en train de mourir. Quoi, t'es en train de mourir? Ça fait deux fois que je tombe du mât. J'enlève l'eau de la cale. Bon, je m'en occupe moi-même. Non, on coule. Mais non, c'est bon. Mais si, on coule de ouf, hein. Mais c'est bon, je vire l'eau. Non, c'est déjà le bordel, on vient juste d'arriver, quoi.
C'est bon. Comment, c'est quoi le bouton pour le... Oh non, Fred. C'est bon, y'a plus d'eau, y'a plus d'eau. Va falloir jeter l'encre bientôt. C'est où, c'est le truc à droite là? Mais t'es vachement loin. Oui, bah excuse-moi, mais je devais me diriger et bouger en même temps pour voir devant moi parce que vous... Réduisez la voile, qui est la chance. L'encre, l'autre côté, l'autre côté. Continue à virer à tribord, on devrait faire un virage. Hop là. Voilà. Mais vous êtes des professionnels, excusez-moi. Ah bah excuse-nous. C'est là où il faut aller. Oui, c'est là pour récupérer la mission. Faut que vous veniez avec moi, faut la trouver, je sais plus où est-ce qu'elle est. Elle est où? Elle est là. Oh, j'ai trouvé des trucs. Un boulet incendiaire. Oui, t'inquiète, c'est pas si rare. Mais c'est là où on peut acheter les petits chats. Ah mais non, mais c'est pas lui, pardon. C'est en bas, c'est en bas qu'il faut aller, pardon, c'est pas lui, c'est en bas. J'ai eu des trucs qui brillent en violet et en vert. Des boules violettes et vertes. C'est 88 en fait. C'est juste des boules à l'info. Ok, regarde, je suis saucé, moi. Oh, il y a de l'herbe. Il est déchiré. Il y a de l'eau. C'est la mer. Je peux acheter des Oliver. Ok, est-ce que vous êtes prêts? C'est par ici. Il faut le petit livre qui est là. Votez pour la fable. Il faut que vous votiez pour la fable qui est là. Ah, c'est son maquillage qui a coulé, je comprends. Oui, c'est ça. Ah la vache, c'était écrasé un morceau de charbon sur l'œil, ça a coulé. Voilà, c'est Rose et Georges, ces deux amoureux, machin. Non, t'inquiète. Y a pas de team kill, tu peux pas buter les PNJ pas ennemis. Si seulement. Faut qu'on localise Rose et Georges. Faut trouver leur coffre de souvenirs. Il faut lui rapporter les objets. Tienne à tout jamais par Rose et Georges. Rose et Georges. Vas-y, Mintos, lis-le, mais avec une voix de pirate. Pour nous mettre dans l'emphase. Une voix de vieux, quoi. Non. C'est une voix motivée. Oh, ce livre raconte notre histoire de ses débuts improbables et notre jour de noces. Mais ça, c'est Jean-Marie Le Pen, ça. Quoi? On t'a dit une voix de pirate, pas Jean-Marie Le Pen. Bah, je sais pas. J'ai hâte de passer le reste de mon existence à tes côtés. Ah, fallait que je fasse une voix rose. Ah ouais, ok, attends. La rose. Ah, non. Non, mais tant pis, elle a une grosse voix. Voilà. Ce livre raconte notre histoire, de ses débuts improbables à notre jour de noces prochain. J'ai hâte de passer le reste de mon existence à tes côtés. Georges, ta rose. C'est la première fois que je parle de toi. Bonjour Olive, je sais que ça fait des lustres que je ne t'ai pas donné de nouvelles, mais si tu connais la vie en mer, sache qu'on a accosté à Sailor's Bounty. On y a intégré un nouveau membre qui s'appelle George. Je ne sais pas s'il restera longtemps, il est tellement silencieux. Ce soir, on va voir s'il tient bien l'alcool. On s'amuse comme on peut, Rose. J'ai failli faire une grosse bêtise. Attends, attendez, Rose, il faut que ça soit Angle qui le fasse. Un peu de logique. Voilà. Enfin... Je peux vous faire ça, si vous voulez. Olive, nous sommes poursuivis par un capitaine du nom de Rook. D'après la rumeur, ce serait une squelette porteuse d'une horrible malédiction. Elle en a après notre liberté. C'est un cauchemar! Georges est venu me servir un verre. C'était chaud et épicé. Il est resté me réchauffer le cœur, me raconter ses fables. Et puis, je me suis endormie sur son épaule. La honte! Alors voilà, ça c'est intéressant. Alors oui, il y a le truc qui m'a embrassé. Attends, juste. Ah oui, non, ils ont déjà fait ce truc-là. Du coup, bah, il faut aller. Ils l'ont déjà fait, tu vois, c'était une affiche et en fait, ils l'ont barré pour dire qu'ils l'ont fait. Surtout après, elle le dit. Il m'a embrassé, on venait tout juste de mater le capitaine Quickshot, voilà. Tu me voles mes lignes, toi. Vas-y. C'est à ce moment-là qu'il m'a embrassé. Vive la France. Un peu plus d'émotion dans le texte, là. Tu lis comme une avocate. Mais merde, je fais ce que je peux. Cher Olive, encore merci d'avoir accepté Encore merci d'avoir accepté de présider la cérémonie. Nous avons répété notre danse sur Wanderer Refuge. George m'a offert une boîte à musique pour me faciliter l'apprentissage des pas. À très bientôt. Du coup, faut qu'on aille sur Sandy Shallows, au nord. À très bientôt. La musique qui s'arrête très brusquement, j'adore. Bon, dans tous les cas, moi, je reviens sur le bateau et j'essaie de trouver où est Sandy Shallows et vous me dites. Let's go. Ouais, je pense qu'il faut commencer par là. Bon, prochaine fois, tu lis ça un peu mieux, Florence. On dirait que t'es sur un tournage et que tu fais la direction d'acteur, ouais, mais mal. Là, je suis on dirait Sarkozy dans la pub Audible là. Donc, Audible. Attends, on va pas lever l'ancre, ils sont encore sur l'île. Bah, ils vont se bouger. Allez, non, je suis dans le bateau, je suis en train de déposer les boulets. Mais non, mais laisse les faire. Mais ça va, mais de toute façon, tant qu'il n'y a pas les voiles, on va pas bouger. Ah si, il y a les voiles. Mais je suis là, voiles je suis là, à l'arrière. Je suis là. J'attends un peu. Hello la binouze. Ah, elle est là. Ah ouais. Pourquoi Fred, il a une petite icône à côté de lui? Parce que je suis spécial. Sa maman lui a toujours dit ça. Cuisine, un truc peut-être. Bon, allez, levez les voiles. Enfin, baissez les voiles, pardon. Allez, c'est parti. Ah, je crois que je vois Sandy Shallows. Je la vois. C'est la petite île qui est là-bas. Yes. Navire à bâbord. Humain, mais loin. Éteignez les lampes. De toute façon, on a rien sur le bateau, donc on s'en fout pour l'instant. Ouais, certes, mais voilà. Ah, vous me dites pour l'encre, hein. Ok, t'es prêt? Ouais. Maintenant. Encre jetée. Nice. Ah, pour une fois, je me suis pas planté. Tout. Donc, faut aller creuser au rocher au nord de cette île-là. Il y a des mobs là-bas, donc faut les buter, je pense. Sinon, ils vont nous emmerder, je les vois. Ah, c'est les nouveaux mobs Pirates des Caraïbes. Ouais, ouais. Il y a une capitaine là, il y a un capitaine si vous voulez m'aider. Oh, je suis contre une engeance du diable là. Attends. Pardon. Voilà, c'est bon, il est foutu le capitaine. Vas-y, prends son crâne et va le mettre sur le... On a ramassé le coffre ? Non, non, pas encore. Faut creuser où ? Entre deux cailloux, t'as dit ? Plus ou moins par là où je suis, je m'en occupe. Tac. C'est bon.
Voilà, c'est bon, j'ai le coffre. Là, il y a un coffre explosif, enfin un baril explosif si vous voulez à côté du meuble. Ouais, alors faudra. On peut le prendre, ça peut être pratique, mais c'est aussi à double tranchant en fait. Du coup, tu nous ramènes le truc. Ah, ok. Ouais, tu le mets dans la cale. Ouais. Alors, j'ouvre le trésor. J'ouvre le coffre à souvenirs, ok. Attends, attends, vas-y, là, j'ai oublié ça, Putain, mais c'est pas vrai, mais. Je me souvenais plus du bouton pour. Le Fred a été stupide, il a allumé le truc et ça a explosé. Je mange une banane surtout. Oui, oui. Il m'a défoncé le bateau. Je suis la seule encore vivante? Ah non. Non, je suis là. C'est un drame. Je suis sur un bateau de mort là. Eh ben alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? Mon bateau. Mon bateau. Eh ben voilà, tout va bien. Après, il n'y a pas d'eau. Faut voir l'avantage, c'est que du coup, on n'aura pas à se soucier d'avoir un tonneau explosif. Bah, tout à fait, ouais. C'est quoi le bouton? Tout est bien réparé. Non, ça c'était pour tirer. Non mais, mec, découvre le jeu quoi. Mais j'ai oublié les touches. Le bateau est dégueu maintenant, bah écoute. Partout, tout est quoi. Chargé là, c'est bon, j'ai tout chargé. Et moi je reviens. Ça a l'air d'être bon. Du coup, je vais ouvrir le coffre en bas. Ouvrir le coffre. Et dedans, je prends la note des amoureux. Et vous l'avez tous normalement, je crois. On devrait revisiter ces endroits et cacher nos souvenirs. Oui. Attends, y'a pas la musique oh que... T'as un oui. Attends. Celui-là, il est bien celui-là. Oh non, pas celle-là. Allez, vas-y. On aime pas la France, Mintos. Oh, si. Nous promettons à 100 d'enjoie sans. Quoi? Nous promettons à 100 nous. Attends, comment ça se dit? Promettons de le rendez-vous à l'orthophoniste. Nos vœux. Nous promettons à 100 d'enjoie, d'en peine, faisons depuis Arc Glowstone l'amour uni d'ici Smuggler jusqu'à Heaven. Il était à la maternelle, George ou... Là, toujours serais-toi. De telle bonde ou trésor pour meilleur pire jusqu'à passeur sépare. Je suis sûr c'est un poème et tu le lis trop mal. C'est quelle page? La dernière. Mais ça se lit comme un poème. Nous promettons un sang d'enjoie d'en peine. Non, faisons depuis Arc Glowstone l'amour uni. Je peux lire ton bouquin, arrête de bouger, je peux lire ton bouquin. Voilà, c'est bon, bravo. Eh ben vas-y, lis-le, parce que t'es si malin. Mais tu peux le sortir aussi le bouquin, Florence. Hein. Comme ah, ça, j'ai compris. J'ai compris. Nous promettons l'un à l'autre sans escale, dans la joie comme dans la peine. Ah. Faisons, il faut faire un page de gauche, page de droite, page de gauche, page de droite. Faisons voile depuis Marauders. Dans la joie comme dans la peine. Faisons voile depuis Arc Marauders. Donc c'est là où il faut partir. Arc Marauders jusqu'à Glowstone Cay. C'est d'ici sur Smuggler's Bay. Jusqu'à Thieves Haven. Thieves Haven. Pour la vie, ouais. Ok, bien joué, Fred. Rogue. Du coup, nous devons aller d'abord depuis Arc Marauders Arch. Ah, Marauders Arch, je l'ai. C'est d'ici Marauders Arch jusqu'à Smuggler's Bay. Ouais. Smuggler's Bay, c'est juste à côté, par contre. À côté de nous? Ouais, c'est vraiment à côté. Bah, on peut déjà faire escale à Smuggler's Bay, alors. Bah, c'est-à-dire qu'il y a un ordre particulier à faire le truc, en fait. C'est peut-être ça. Hein. On est juste à côté, on a intérêt à y faire un tour, histoire de voir qu'on loupe rien, plutôt que de faire un aller-retour pour rien. De toute façon, en vrai, si je fais une ligne droite entre Marauders Arch et Smuggler's Bay, il y a que deux îles sur le chemin, c'est Black Sand Atoll et Salty Sands. Du coup, on va où? On va à Marauders Arch ou bah, je pense que oui, allons-y. Marauders Arch. Alors, je me mets devant pour vous dire s'il y a des cailloux. Tu peux aller à la vigie, hein, sinon, si tu veux faire ça. Oh, je vais faire ça. Il y a une règle, par contre, à la vigie, c'est qu'il faut toujours prendre l'accent de la vigie dans Astérix. Non, surtout pas. Ne fais surtout pas ça, bien sûr que non. Je voulais voir quelle est ta réaction. Ne fais surtout pas ça. Ah, mais je peux cusser avec le bordel. Oh, mais j'avoue, là, si on a un peu de chemin. La binouse. Petite binouse. Tu peux. D'ailleurs, un truc devant. Angle, si tu appuies sur le bouton A et ensuite la touche 4, tu peux sortir. Sortir ta longue vue, ce qui te permettra de regarder s'il y a des navires pas loin. Sache que si on regarde pendant que tu les regardes avec ta longue vue, ils vont voir un. Il y a un navire squelette à tribord, mais aux effets. Oh là! Qu'est-ce qu'il y a, Mintos? Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Il est bourré, c'est honteux. Oh là là! Oh là! Ça fout vraiment la gerbe IRL en plus. Oh, vous inquiétez pas, tout va bien, moi. Éminent. Oh non! J'arrive. J'ai vu une expérience incroyable, Mintos. Oh, j'ai vomi. Il m'a vomi dessus, je vois plus rien. Oh non. Il est répugnant, putain. C'est sûr que tu n'as jamais fait ça, c'est sûr. Quand je suis content, j'ai vomi. D'ailleurs, regarde, Mintos.
Il a dégobillé. J'arrive. Non, mais juste pour info, regarde. Clique sur le canon là. Tu sais que tu peux rentrer dedans hein, si t'as envie de te propulser. Je sais pas si t'es ouais. si au courant. Mais en fait, tu maintiens, t'appuies sur R et tu peux rentrer. Non, mais j'appuie sur R, ouais. Fais voir ta tête dans le non, canon. Non, Mintos. arrêtez. Ah, mais fais voir ta tête dans le canon, Mintos. non. Je veux juste voir ta tête dans le canon. Je n'ai aucune confiance. T'inquiète. Vas-y. Dans le canon, ouais. Vas-y. Okay. Ah, j'arrive pas. C'est donc. Voilà. Ah, t'es dedans. Parfait. Bah oui, mais voilà, pourquoi t'as... A bientôt, Mintos. Bah, franchement, putain, Antoine, gamin, quoi. C'est ça parce que je t'ai vomi dessus. Ah oh bah, bonjour, vous. Bah, c'est ça, bah... en fait, tu vois. Alors, quand il y a quelque chose, il faut que tu sonnes deux fois ici. C'est la règle aussi, hein. C'est comme ça. Ah bon, c'est la règle. Ah ouais, bien rien. Sûr. C'est la règle. Je comprends pas, Il y a un sloop, je crois... Je vais regarder, mais je crois que c'est... Ah oui, il y a un bateau. Il y a un bateau à droite. C'est un PNJ. Vraiment devant nous. Un PNJ, c'est un PNJ. Ah non, c'est bâbord ou tribord à droite. À droite, c'est tribord. Attention, interro surprise, la poupe et la proue. Moi je sais. La prousse devant. On m'en fout. Fred ne sait pas. Bien sûr que si, je le sais en fait. Il interroge mais il sait pas, hein, rassurez-vous. Orient de bâbord 20 degrés. Et là, le PNJ va nous foncer dessus. Ah ouais, préparez les canons alors. Ouais. Les canons sont chargés, ils sont chargés. Tirez pas tant qu'ils ne tirent pas dessus. Regarde ce barré. Par contre, il y a un autre sloop hein. Non, alors ça c'est par contre c'est pas un PNJ ce que je vois là-bas au loin. Ouais, derrière le rocher, il y a un sloop aussi. Un joueur. Ah non, il tourne en fait. Non, il barre, il barre. Il tourne, ouais, c'est un joueur ça. Ça, c'est un joueur. La poupe, c'est derrière. C'est pour ça qu'on dit avoir le vent en poupe. Bien joué. Okay, c'est ouais. effectivement le moyen mémotechnique pour savoir. Très bon moyen mémotechnique, tout à fait. Il y a eu collision entre le PNJ et le non-PNJ. Je sais pas pourquoi ils se battent là-bas, il y a rien. Normalement, ça serait une île du crâne, mais il y a rien. Laisse-le s'amuser. Ok, tout droit. Alors, droit devant nous, légèrement sur bâbord, il y a une toute petite île. Ça sera celle d'après. Je la vois. Je vois l'île en question. C'est la grosse île qui est derrière l'île là-bas. Ah, boulet Quoi ça Non, mais t'inquiète pas. C'est une île à côté. C'est squelette sur une île. D'accord. Et il faut que tu dises île droit devant aussi, sinon ça marche pas, on sait pas ce qui se passe. Bah, île droit devant. Et il faut que tu le dises avec de l'écho. Île droit devant, C'est parti, les amis. Ah, je vais me mettre à l'ancre, hein, vous me dites. Bah, c'est Fred qui va te dire. Je vais te dire quand est-ce qu'on s'arrête. Maintenant. Très jeté. Ah, ça a tapé. Non, ça a même pas tapé. Ah, incroyable, je crois que c'est mon meilleur arrêt, quoi. Masterclass. Ok, alors allons sur l'île en question. Il est pomme. Mais alors putain, du coup, en fait, si... les canons, ils sont chargés. S'il y a rien qui se déclenche ici quand on arrive, on cherche quoi? On cherche rien, en fait, là. Bah, faut qu'on visite, on va visiter, on va voir. Bah, après, ouais, c'est... Alors, attends, le journal disait depuis ici... Je vais regarder la carte. Relis-moi le nom de l'île suivante. Glowstone Cay. Marauders Arch, je le vois. Ok. Smuggler Bay, je le vois aussi. Et... Ah, c'est quoi? Il faut faire le trajet entre les deux, mais c'est quasiment ce qu'on vient de faire, mais dans l'autre sens en vrai, légèrement, en étant légèrement dessous. Ouais. Il y a des poules là-bas aussi. Des poules! Oh! Saloperie de poules. Oh non, ils sont pas contents parce que j'ai tué la poule, je crois! Pourquoi t'as tué la poule, Minto? J'aime pas les poules! Mais pourquoi t'aimes pas les poules? Je me fais agresser par des squelettes! Alors attends, de Marauders Arch, ok. Smuggler's Bay, ok. Et alors? Bah, mec, j'en sais pas plus que toi, hein. Serpent. Sur l'île? Bah, barre-toi ou tu l'es? Oh non! Qu'est-ce qui se passe, Mintos? Non, c'est bon. Non, j'ai failli allumer le baril de poudre. Ah non, mais arrêtez avec les barils de poudre, par pitié. Ok, revenez au bateau. Le bateau indiqué PVP, là, nous faisons dessus. Enfoiré, va. Tu veux qu'on bouge, Fred? On va où, du coup? Bah, s'il faut faire le trajet dans l'autre sens, de toute façon. Oh non! Notre bateau! Quoi? Bah, ça a été tapé, non? Je suis en train de lever l'ancre, je sais pas... Ok, je vois le navire à l'horizon, il arrive droit sur nous. Mais de quel côté? Complètement à l'arrière. Arrière bâbord, on est d'accord? C'est ça ce que je vois au loin là-bas? C'est il est... ouais. Tu veux qu'on lui fonce dessus? Vas-y, on prend l'initiative? On y va? Bah écoute, je vais revérifier pour voir. Ok, messieurs, dames, nous allons foncer sur un bateau ennemi. Oui, il nous fonce dessus à nous. On va pas fuir, on va tenter de le défoncer, sans réussir bien sûr. Il est où? Ouais, on va arriver dessus par bâbord. Alors sachez que j'ai ramené un baril de poudre. Équipez-vous avec du bois sur vous et des boulets pour recharger. Enfin moi j'en utiliserai pas parce que moi je pilote du coup. Droit devant, redresse-nous pour l'arrivée par bâbord. Va sur tribord. Je vais à tribord. Ok, préparez-vous. Visez bien. Ça va être une dinguerie, mec. Faites surtout attention s'il y a quelqu'un qui monte sur notre bateau. Soyez prêts à... Il faut le tuer très vite parce que ça veut dire qu'il veut faire péter un baril explosif dans notre cale. Ok, préparez-vous. Soyez prêts sur bâbord. Let's go. Feu. On a touché qu'une fois. Ok, il fait demi-tour. Sauf que lui, c'est une sloop et il l'a bien fait en plus. Il a carrément fait l'arrêt avec le... Ouais, avec l'ancre. Ouais. C'est chargé. Vous êtes trop loin. Attendez, gaspillez pas. Vas-y, viens. On a plein de canons, je teste. Oh. Gaspillez pas trop, quand même. On l'emmène dans les rochers. Le problème, c'est qu'il a un sloop et du coup, c'est beaucoup plus maniable. Ouf. Oulala, attention, double canon. Je vais couper. Aïe, aïe, aïe. Je suis... Elle est morte, Florence. Okay, incendie. Ah ouais, on n'a pas le niveau, hein.
On n'a pas le niveau. Répare en bas, Mintos. Va réparer en bas. On est vraiment poursuivi, hein. Vraiment, ils nous poursuivent de fou, hein. J'arrive. Répare les trous, je vide. On va prendre cher. On va manger chaud. Il a touché le mât. Essaye de prendre le vent, parce que là il a l'avantage, parce qu'en maniabilité, il nous... Mais regarde, mec, j'ai des rochers à droite, en fait. Je répare, j'essaie de réparer tant que... Aïe, bah, je suis mort. Vous pouvez le revive. D'accord, personne revive. Ok, je vais le faire. Attends. Ah non, on n'attend pas, il n'y a pas le temps. Il est à bâbord maintenant. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc à bâbord, si vous voulez. Je vais lâcher l'ancre et on va tourner sur bâbord. Soyez prêts sur les canaux à bâbord. Vas-y, Fred. Ok, go, je lance l'ancre. Allez. Du bon côté. Il va nous rentrer dedans. Quoi, vous avez pas touché une seule fois? Non, on a été à chier. Je m'occupe de conduire. Attention, Fred, le rocher à gauche là. Fred, le rocher à gauche là. Hein. Je vois, t'inquiète, le rocher à gauche, je vois. Je vais redresser, mais je veux attraper le vent en fait. Je suis mort. Il faut écoper à fond. Mais on avance encore quoi? Mais qu'est-ce que tu fais sur le. Je pensais que tu conduisais, Fred! Mais j'ai dit que j'étais mort. Mais sur le mât? Oui, sur le mât, je me suis rien boulé sur le mât. Mais c'est pas grave, c'est bon, il faut juste écoper là. Non, mais il faut surtout jeter l'ancre parce qu'on va se prendre le rocher en fait. Redresser. Mais non, mais non, tu te rends pas compte, je crois. Ne levez pas l'ancre, Mintos. Non. Mais je sais pas, tu lèves l'ancre. Je sais pas, moi je panique, moi je réfléchis plus. J'enlève l'eau. Oh là, quel cata. J'enlève l'eau, c'est bon, y'a plus d'eau. Mais c'est marrant, on s'amuse. Pas grave si on perd. Il arrive sur nous dans le dos. Hein. Et genre si on se casse, on peut. Ah putain, il m'a éjecté du bateau. C'est bon, y'a plus de flotte en bas. Ah, il y a des trous par contre. Il est où? Il est à l'arrière en fait. Oh. Oui, il s'est arrêté à l'arrière, il nous bombarde. On avait un tonneau explosif ou pas? Oui. Je vais sur leur bateau. Tu t'occupes de tonneau explosif, tu le fais? Non, je n'ai pas. Je vais sur leur bateau, mais sans le tonneau. Mintos, tu t'en occupes? Je vais y aller. Hein. Ils sont suicides, faut que je trouve le. Il me défonce, hein, sache-le. Ah, il a dû péter, il n'y a plus le tonneau explosif. Je suis mort. Non. Ok, le bateau coule. Bateau coule? C'est mort, je peux plus réparer, ça a coulé. On est coulé. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les agros. Tout simplement, parce qu'on est nul. Bon, du coup, on a perdu un coffre et un crâne. J'ai cop, hein. Non, mais Florence, on s'en fout, c'est fini. Non, mais c'est... Le bateau a coulé, Florence. Mais c'est une blague, Antoine, enfant. Ok. Hop là, veuillez lever l'ancre, s'il vous plaît, messieurs, dames. Mais tout à fait. Alors, du coup, on va où, t'as dit? Steve's Haven, c'est en face. Ok, ça va être énorme. Par contre, on n'a pas du tout pris de bois, non, on n'a rien, hein, si on se fait... Ok, est-ce que vous êtes prêts? Bientôt, va falloir, je pense... Je suis préposé, ancre. Ouais, non, attends un peu et redresse à bas, tribord, par contre. Stop maintenant, l'île, enfin, l'ancre. Ok. Ah. Voilà, on est bien. T'as gratté un peu, quoi. T'as gratté un petit peu. Il y a un peu d'eau, quoi. Un peu d'eau, on coule un peu. Voilà. J'ai sorti l'eau. C'est bon, c'est comme neuf. Donc je pense qu'il faut trouver cet endroit qui est dessiné sur le bouquin, là. J'ai fait une connerie. Qu'est-ce que ça fait? Oh non, il s'est juste propulsé. Ah bah voilà. Je suis allé loin un peu. C'est à quoi il ressemble le dessin? Bah regarde, ils se tiennent la main sur une sorte de promontoire entre deux torches. D'accord. Il y a deux arbres, un arbre à gauche. Ça a l'air d'être en hauteur, il y a un tonneau à droite. Tout en haut. Oui, il y a une carcasse de bateau au milieu là. Ah, il y a un coffre pirate, il y a un coffre de capitaine là-bas. Dites alors. Un petit cochon. Cochon? J'ai des poules. Ah non, pas des poules. Alors, moi, il faut que je trouve un tonneau à côté de deux arbres. Il y a un tonneau sur le dessin? Ouais, il y a un tonneau à côté des arbres de droite. Attends, mais regarde pas du tout le même dessin, il n'y a pas d'arbre sur le dessin, Fred. Moi, c'est notre premier baiser que je regardais. Mais non, c'est pas le. Il y a un grand dessin à notre premier baiser. Ah, c'est vrai qu'il y a ce dessin là aussi, effectivement. Oh, c'est pas ces trucs bizarres là. Ça tire. Ah non, c'est Minto. C'est moi qui me suis tiré tout en haut là. En fait, t'as eu Fred, il y a deux dessins, il y a celui-là, il y a celui d'avant effectivement qui est plus grand. Ouais, parce que c'est forcément un truc qui regarde vers la mer, parce que c'est. Oui. Ça regarde vers l'extérieur. C'est bizarre que ça soit cette île quand même, alors que. Genre, cette île, elle est quand même bien spécifique avec son promontoire là. Non, mais en fait, c'est un dessin très rapproché, on voit pas grand chose. Et on regarde en l'air, mais c'est pas du tout en l'air. Hein. Bah alors, il faut aller sur Smuggler's Bay, je pense. Hein. C'est là où on était tout à l'heure. Non, on était à Marauder's Arch tout à l'heure. Je pense que c'est pas là, à mon avis. Franchement, en termes de level design, je dis qu'on est pas sur la bonne île. Ok, bah vas-y, on va sur l'autre alors. Mais il se passe quoi là? Oh, je me suis jeté dans la mer là. On retourne sur le bateau, messieurs dames, du coup. Hein. Ouais. Je reviens avec un coffre, sachez-le. Moi, je suis peut-être allé un peu loin, il y a la sirène qui veut me pécho. Du coup, je vais te dire le nom de l'île sur laquelle. Je pense que ça va être celle-ci, Fred. Ok, t'attends, on va lever l'ancre déjà. Comment ça t'arrive? Bah, je lootais des trucs. Ah, mais là, on va partir là. Oui, je sais, mais on n'avait plus de planches, on n'avait plus de canons, on n'avait plus. Attends, tu prends la sirène. Je cours. Mais t'as plus le temps là, c'est mort. Mais j'étais juste à côté et... Bah, c'est Fred qui a levé l'ancre. Vraiment, vous auriez attendu une seconde de plus et c'était bon. Regarde, je joue une chanson pour toi. Ouais, bah super. On peut pas la harponner. Salut mon pote. Vas-y, essaye. Salut.
C'est où que tu... Salut. Quelle île on va là? Putain, par contre, c'est à Babelwed, oh là là. C'est tellement loin, au secours. Non. T'as vomi dans le seau et tu le balances sur les gens, d'accord. Ok. Tu veux qu'on joue au vomi avec le vomi? Ouais, vas-y. Mais non, mais vous m'avez pas attendu, donc je me venge. Bah, moi, j'ai ça fait partie de... Oui, je t'ai pas entendu. Voilà. Moi, j'ai vomi sans Antoine tout à l'heure, il m'a jeté à bord. Hein. Il m'a jeté par-dessus bord. Je n'arrive pas à monter à l'escalier tellement je suis bourré et... Non, elle me jetait son vomi. J'en ai plus pour Fred, ça fait chier. Comment tu fais pour faire ton tiroir à vomi, là? Mais stop! Arrêtez, monsieur. Non, mais moi je travaille, moi, messieurs-dames, là. Je recharge. Pardon à tous les hémétophobes de ce chat. C'est vrai qu'il y a ça. Florence. Je contourne ce truc-là. Attrape. Bien joué. Non. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait deux fois! Vous vous démerdez! Ah, oh, ça va, c'est juste jumer le feu, quoi. Fred est en feu, hein, je tiens à le dire. Oui. Et je vais très bien. N'importe quoi! Je te reste pas, Fred, hein, je te reste pas. Ok, vas-y, déco. Vas-y, je te reste. Tellement loin. Putain! Je fais des bananes flambées, quelqu'un en veut? Moi, je vais faire de la musique. Allez, c'est plus une banane flambée, ça. Je les aime bien cuites, moi. Ouais, tu les as bien cuites, ouais. Moi, je suis préposé, chanson. Allez, Mintos, une chanson, là. Ouais, je chante, là. Enfin, ça. Ça mouline de ouf, là. Ah, c'est la phase sentimentale, là. C'est le slow. Foule sentimentale. Libre de droit. Chanson libre de droit. Libre. Chanson libre de droit. Chanson libre de droit. Ah, ça danse! Mais ça danse de ouf là! Meilleure idée en tout cas, hein, les instruments. Je suis sûr qu'ils avaient des vrais instruments comme ça, les pirates aussi. Alors, il y a une île devant là. Oui! Il y a quelqu'un à la barre? Oui, oh, ça passe là! Non, c'est bon! Ah oui, non! Ah, c'est mort! Voilà, c'est bon, alors je suis là, je fais le trou. Ça passe. Mais ça passe comme si tu passais sur le rond-point par contre. Hein. Mais non, ça passe pas du tout. Ouais, c'est peut-être si tu forces un peu. Non, c'est mort. Encore? Mais c'est pas vrai! Bah! Et vous faites des trous partout! Bah, capitaine! Antoine, il passe sur les ronds-points. Ni à droite ni à gauche. J'ai pas mon permis. Alors on a vu. Mais c'est toujours la nuit aussi dans ce jeu là. Faux. Allez, Faut que tu vires à tribord de 30 degrés. Attends, y'a pas un bateau là-bas? Attends. Un bateau! Galion même, je crois. Mais j'ai vu un bateau pendant 2 secondes sur la carte aussi, effectivement. Un bateau? Attends, devant, y'a quoi là-devant là? Juste tout devant nous? Bah rien. Ah non, c'est une petite île, ok, c'est une petite île. je suis full aveugle moi, hein, c'est ouf. Oh, je confirme, oui, effectivement, c'est un bateau de joueur qui est sur notre gauche, mais il s'éloigne de nous. Va tout droit, tu vas full tout droit. Ok, je vais essayer de passer. Vous savez, cette île-là, y'a un lac au milieu. Je vais essayer de nous garer dans le lac au milieu. De Nougaret, oui, Nougaret comme Adrien, tout à fait. Bien joué. La Noug, comme on l'appelle dans le... La grosse Noug. La grosse Noug. En tout cas, je vois ça de pair. Hein. De toute façon, en vrai, c'est des serveurs de quoi? De 30 personnes, tout ça? Au moins, je pense. Ah ouais? Putain, c'est chaud. Je crois que c'est 6 bateaux. Hein. Bah, ça peut faire 6 fois 4, ça fait 30. Hein. Ouais, mais il y a un problème avec les maths depuis que j'ai fait l'addition 1 plus 1 dans Opération Tango. Un. Puis 6 fois 4, effectivement, ça fait pas 30 du tout. Ok, merci, professeur. Oh, je pense que ça va gratter, je sais pas pourquoi. Mais non, ça ne grattera pas. Franchement, c'est propre, hein. Et ça passe en hauteur? Oui, ça. Oula, sur le côté? Mais non, vous inquiétez pas. Ok, t'es prêt? Maintenant. Bon, je pense. Oui, bah je suis descendu un peu rapidement. Ah, mais je fais des arrêts impeccables ce soir. Oh là. Incroyable. Est-ce que ça serait pas derrière, là, les deux trucs, justement, de l'entrée, Ah, tout en haut? Ouais, je vais aller voir. Ah? Oh, j'ai peut-être l'endroit. Attends, genre un peu en avant, là. Genre là où je suis, pour pas. Attends, je creuse là où je pense. Oui! J'ai trouvé. Ah oui, c'est là. Oui, c'est complètement. J'ai trouvé. Bien joué. La boîte à musique. Je joue leur boîte à musique. Je te le prends. À moi. Oh, oui. Paris de foudre. Je suis un pirate. J'ai pas besoin de venir. Trop mignon. Prendre, c'est bon. Oula. Merde. Avec un Paris de foudre là. T'es pas vu. Fred, surtout nous aide pas, hein. Bah en fait, j'étais coincé avec la boîte à musique. Waouh. Je me barre avec la boîte à musique, hein. Je suis désolé, je me barre. Il me reste pas surtout, Kounard. Si je te reste, je meurs. Il fallait que je save la boîte à musique. Putain. J'avais pas de sauver, il fallait que je sauve la boîte à musique. Je ramène la barrique de poudre, de toute façon, il adore ça, JDG. En fait, le truc, c'est que je trouvais pas le bouton pour le poser. Alors j'ai essayé clic droit par hasard, et puis c'était le bouton pour l'allumer, j'ai pas rien. Bon, la boîte à musique, ça, c'est un des objets qu'on doit récupérer. Fais gaffe, Mintos. Hein. Ouais, t'inquiète, je suis un professionnel. Oui. Ok, j'ai posé la boîte à musique dans la cabine du capitaine. Ok, et donc après, on va où? Merde, j'ai oublié comment on le pose. Non, n'appuie pas sur clic gauche, surtout. Ouais, c'est F, X, F, X, ah oui, X, bien joué. Oh, oula. Quoi? Non, j'ai voulu chercher la case de munitions, il y avait plein de mobs qui ont popé sur Ok, la... alors attends, on a trouvé... Donc on a trouvé la boîte à musique. Notre premier baiser, vœux,
Et c'est tout, le livre est fini là. Oui, mais il y a l'autre dessin avant là, le dessin de leur premier baiser là. Pas sur cette île là. Oui, oui, je le vois, le dessin avant. Et pourquoi est-ce que la fin, ça serait sur le truc qui est pas à la dernière page? T'es sûr qu'on n'a pas juste sauté une étape pour arriver? Non, je pense qu'il faut plusieurs objets. Elle a dit qu'il fallait lui rapporter plusieurs objets, la meuf là. Est-ce que, genre, la boîte à musique, il faudrait pas s'en servir comme une espèce de trigger, tu vois? Bah, de la réenterrer à l'endroit du premier baiser, par exemple? Pas forcément l'enterrer, mais genre que ça servirait, tu sais, comme un truc qui active une quête. On venait tout juste de mater le Captain Quickshot et on était parti au Lagoon of Whispers pour ravitailler. C'est à ce moment-là qu'il m'a embarrassé, c'est là où nous devons aller. Lagoon of Whispers, 100%. Lagoon of Whispers. Lagoon of Whispers, vu. Plein sud avec un autre bateau PVP sur le chemin, mais qui tourne dans le vide. On va lever l'ancre. Ah, je crois que je vois une lumière. Effectivement, j'en vois une aussi. Il y a un bateau devant, hein. Il y a un galion devant. Un galion devant? Bah, je crois, non? Ah oui, effectivement, il y a un bateau devant, oui. Ouais, mais il doit être amarré, je pense. Vire bien sud-ouest. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a un bruit de phoque. C'est une sirène, je crois. Tu vas pas sur la bonne île, là. Redresse plus sur... Non, mais je ne peux... Il y a en fait, si tu regardais à l'extérieur, tu verrais... Sors juste et comprends. Je vais voir. Et pourquoi tu vas pas là où je te dis? Bah oui. Oh, ça va gratter. Mais dites-moi. Ça gratte, hein. Ah bon? Mais je vois pas tout, moi. Hein. Y a un petit rocher, là. Mais où, là? Redresse tribord, de 10 degrés. Ouais. Ok, c'est la prochaine île sur bâbord. On y est, là. Bah alors, préparez-vous, on va bientôt s'arrêter, du coup. T'es prêt à jeter l'ancre, Florence? Bah oui, si vous me dites. Mais non. Ouais, c'est un peu tard. Un peu tard. Un petit peu tard. Ça a frotté un petit peu. Ok, bon, ça devrait être facile à trouver, je pense, le truc. Donc c'est le dessin où ils s'embrassent, ici. Donc ça devrait... Je pense que c'est là où je suis globalement. J'ai un truc là. Boîte à épices à Georges, ben voilà, tu l'as trouvé. Il l'a trouvé. Bravo. Il t'a creusé au pif. Bah non, j'ai vu les deux palmitos là. McFly et palmito. Ah c'est ça, oui, c'est en face là. Je mets la boîte à épices sur le bateau. Eh mais il y a un bro là, enfin une bro. Un joueur? Donc il y a un PNJ. Ah un PNJ. Fais des trous partout, Mintos? Bah ouais. Jour 56, il y a cette espèce de... Oui, je suis sur jour 56 et effectivement c'est ce qui est peut-être le plus intéressant. On a déterré un vieux coffre dans le sable humide de Sea Dogs Rest. Au fond, on a trouvé deux moitiés de médaillons. Il était visiblement précieux aux yeux de quelqu'un, mais il est à nous à présent. Une moitié chacun pour rester unis, même loin de l'autre. Loin l'un de l'autre. C'est juste à côté. Dogs Rest. On peut aller faire un tour là-bas, si vous voulez. Ouais. C'est la petite île que je vois au loin là-bas, effectivement. Alors, peut-être j'hallucine, mais à 200 mètres devant nous, là, il y a les vagues qui remuent. C'est pas un mégalodon? Oh, je pense que c'est juste la mer habituelle. C'est juste la mer? Ok. On va y aller très vite. C'est la prochaine île. Dans 30 secondes, on y est. Tu l'as dit, navire joueur à tribord. Navire joueur à tribord? Ah oui. Je vois pas trop leur drapeau. C'est un bateau PVP. Tout à fait. Et ils nous foncent droit dessus. Oh non, pas maintenant, pas après tout ça. Comment ça? Mais c'est pas le bateau PVP, hein, c'est pas celui-là. Ah si, je te promets. Je te promets que c'est... Ah oui, c'est celui-là. Oui. Et genre, on perd tout? Prends le vent. Mais tu veux vraiment qu'on s'arrête sur l'île alors que ce truc nous fonce dessus? Non, juste on s'arrête pas. Prends le vent. Si on s'arrête, on va s'arrêter. Oh, il arrive le bat. Bon, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, moi je veux me barrer, hein. Ok, sinon, Mintos, quand la baston commence, sinon tu attrapes le tonneau et tu vas te suicider dans leur. Suicider, ouais. Ouais, vas-y. Bah, attends, je vais le chercher, il est en haut. Ok, je reste au canon. Ils ont lancé l'ancre, le truc qui fait baisser notre ancre, faut la remonter tout de suite, messieurs, dames. C'est un boulet de canon qui fait baisser l'ancre. Ah putain, je savais même pas que ça existait. Ne soyez pas tous les trois dessus, s'il vous plaît. Mintos, barre-toi. Oh, Kraken en plus de ça. Oh non, c'est une blague. Fonce. Une catastrophe. Putain, je suis morte. Secours. Ils sont sur le bateau. Non, ils sont sur le bateau, ils nous one-shot. On peut rien faire, quoi. Les mecs, ils ont 1000 heures de jeu. le mec, je pense qu'il est dans la cale. Hein. C'est la fin de Pirates des Caraïbes 3. Le Kraken plus le tourbillon. Je suis parti en mode boom, là. Vas-y, on va relever l'ancre, France. Il se bat contre le Kraken, je vais les baiser. Je me fais péter où, dans la cale? Tout au fond. Vraiment, tu les défonces, ces fils de pute. Bon. Vas-y, bombarde-les en même temps, Fred. J'ai pas d'angle pour l'instant, il faut que tu bouges sur tribord. Ils sont pris par le Kraken. Le Kraken, il est sur eux, en fait, il est pas sur nous. C'est pour ça, faut en profiter. Florence va écoper. Va écoper, Florence. J'ai pété dedans! Oh bien, leur masse s'effondre! J'ai pété dedans! Parfait. Vas-y, continue à les bombarder, ces connards. Ok, ils bougent. On s'est repris un truc sur notre mât. Notre mât s'effondre, Fred, il faut le remettre. Non, je vais le faire. Les deux mâts sont cassés la gueule. Bah donnez tout, j'ai tout donné, hein, je me suis sacrifié là. Ça va pas suffire, je pense. Ah, y'en a un qui est mort là, y'en a un derrière moi là, dans le bateau pirate. Mais qu'est-ce que tu fais, Fred? Viens. Vas-y. Je suis mort aussi. J'ai essayé de rester. Je suis mort. Oh, j'ai voulu rester. Mort. Pour moi, c'est un mouchoir en fait.
Ah putain, on est tous morts et eux aussi, hein, je pense. À mon avis, leur bateau, il était. Hein ? Ouais, ils sont morts aussi, leur bateau était en train de couler. Oh là là, j'arrive sur le bateau, tout est en train de partir en couille. Ouais, j'entends un crack. J'entends aussi. Ah mais attends, Ah mais putain, il est là sur le bateau, putain ! Ah ! Genre, il spawn kill ? Oh le bâtard. Putain, on est en train de couler, mais un truc de fou quoi. Ils sont deux sur le bateau, hein. Oh, je l'ai tué ! Bien joué, bien joué. Je l'ai tué sur le bateau, sur leur bateau à eux. Je suis mort. Oui, mais ils sont deux sur notre bateau, mec. On a coulé de toute façon là, non ? Oui, je pense qu'on a coulé. Oui. Oh, bah là, ils m'attendent à la. Ah, il y a des points de sauvegarde sur les fables, t'inquiète. Ah, cool. Je pense que le jeu, ils ont pensé à ça quand même. J'arrive, tout est en flammes. En vrai, on n'a pas coulé, hein. Les mecs ont le drapeau de la faucheuse, tu peux leur dire que tu emmènes ta grand-mère à l'hôpital, ils s'en balèquent. D'accord. Attends, je suis sur leur navire, j'ai jeté l'ancre. Je vais sur leur navire aussi. Il hein. Y a plus personne, là, je suis dessus. Ils sont tous sur le nôtre. Go lever l'ancre et se barrer hein. Ah c'est bon, on a coulé. Moi ça me dérange pas de perdre en vrai hein, vous savez j'aime bien le PVP. Ah, c'est comme ça qu'on devient meilleur tout simplement. Dans Astérix les pirates font un trou avec leur hache, bah c'est ce qu'on va faire. C'est comme ça, il y a un moment j'étais sur leur bateau, j'avais tué les deux gars qui étaient dessus. Et ouais. J'ai pas trouvé leur tonneau avec les bombes incendiaires, les machins etc. Ils en avaient peut-être pas hein. Non mais je te parle même pas de tonneau explosif en fait, ça oui ils en avaient pas. Mais je te parle vraiment de tonneaux, trucs incendiaires, juste pour mettre le feu, quoi. J'ai rien trouvé, quoi. Moi, j'en ai loot plein, des trucs comme ça, et en fait, je le mettais au même endroit que les boulets de canon classiques, en fait. Je sais pas si c'est ça ta question, je sais pas si j'ai compris ou pas. Moi, j'ai pas compris ce que disait Fred. Hein, mais... Ah, bah, c'est là où on était tout à l'heure, en plus. Oui, c'est là où on était. Juste là où on baille. Mais le problème, c'est que l'île sur laquelle on voulait aller, là, Sea Dogs Rest, c'est là où les deux bateaux, ils se font la guerre. Bah, on a. Sauf que là, mais attends, mais en fait. Maintenant, ils montent sur nous. Non, c'est juste qu'ils se poursuivent. Ils se poursuivent mutuellement, en fait, c'est tout. Par contre, il y en a un, si je comprends bien ce que c'est le 4 qu'on voit, il y en a un, il est rang 4 PVP, c'est-à-dire c'est genre le méga tueur, quoi. Sinon, on fait un baroud d'honneur, ils sont en train de se bastonner. On arrive et on fait un combat à 3, et puis. Puis voilà. Non, mais vas-y, on y va. Ouais, bah let's go, écoute. Bon, ce qu'on va faire, c'est vraiment, si jamais on a une baston et qu'on passe à côté, je saute direct sur leur navire pour aller les tuer au respawn. Ou sinon, vous essayez de communiquer. Moi, je dis, si on leur demande de pas nous attaquer, ça ne va rendre que leur victoire que plus savoureuse et ils auront encore plus envie de nous attaquer. Logique de connard sur un serveur PVP, hein, c'est encore plus excitant d'achever une cible quand elle demande pitié avant, quoi. Oui, bien sûr, ok, je vois. Et là, il est vraiment en face de nous, quoi. Oui, leur bateau est littéralement entre nous et l'île. On le voit. On le voit, effectivement. Ils ont leur voile repliée, par contre. Ils ont leur voile repliée bah, pour pouvoir redémarrer plus facilement, justement. Quitte à... Comme ça, ils ont pas abaissé l'ancre. Ouais, ils bougent pas, hein. Ils sont chill, là. Non, ils attendent complètement quand on arrive. Il y a un gars qui se tire avec le canon, donc j'ai peur qu'il monte sur notre bateau. Avec le canon ? Ah oui, il va monter sur le bateau. J'ai vu un mec dans les airs. Préparez-vous, mettez-vous... il faut qu'il y en ait deux en haut des échelles. Soyez prêts à tirer côté gauche. Oh, il y a le mégalodon. Sur la gueule ? Bah oui, ou là non. Faut réparer la voile. Fred se bat sur leur bateau et va mourir dans quelques instants. J'ai jeté leur ancre. Ok, j'en ai touché un. Leur ancre est jetée, ils peuvent plus bouger normalement. Ouais, j'en ai tué deux. On sauve nos bateaux ou on vole le leur ? Tant qu'ils bougent plus, profitez-en pour saucer leur bateau. Moi je suis en train de les défoncer hein. Ils sont en train de couler hein. Ils sont en train de couler. Ouais, je suis en train de vider le nôtre. La voile qui se pète. Je redresse. On a une île droit devant, on a une île de repos. Ouais, mais on va rien y foutre en fait. Ouais, non, mais je sais, mais c'est juste pour virer le mégalodon en fait. Mégalodon est pas très dangereux. Je sais pas où ils sont. Ils sont pas coulés en vrai ? Non, ils sont pas coulés. C'est juste que ils ont. Oh putain, par contre, on est en train de couler. Ouais. Oh là ! Alors là. Donc, il faut que vous vous occupiez du mégalodon là. Je suis dans l'eau. Avec le mégalodon. Pareil, tactique de raft. Ça marche pas. Ah mais on a coulé ? Bah oui, on a coulé, je vous ai dit qu'il y avait une fuite. Mais moi j'étais au volant. C'est coulé. Non, ça sert plus à rien. C'est coulé. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, écopé. Allez ! C'est pas fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Quel jeu de courant. Tu veux toujours y jouer toute la nuit, Mintos, ou pas ? Oh oui, bien sûr, mais sans eux, là. Moi, je trouve ça marrant, cette image. Le bateau est là, leur bateau. Who can save one ? Ah dommage, à la toute fin, franchement, on aurait pu les avoir. Hein. Leur bateau était vraiment en train de couler. Ouais, au début, j'étais à chier des bulles. On a une sloop sur bâbord, loin. Ouais, bah, qu'elle reste loin. Il revient encore, le bordel, ou pas, là ? Bah là, ils dirigent vers nous. Enfin, je sais pas, on va voir. Bah, par contre, c'est Fred qui a éteint les lumières, mais par contre, il y a les canons en feu, quoi, donc... Non, mais il se barre, hein. Il se barre. C'est très peignant, ça, hein, sur la gauche, quand même. Hein. C'est moi qui ai l'esprit tordu. Pourquoi ?
Ton sexe ressemble à ça, Mintos ? Non, non, tu vois, c'est une bataille, tu vois. Non, mais c'est pas grave, tu sais, il y a chacun... C'est vrai que c'est plutôt original. Ok, normalement, on est hors de leur ligne de vue. J'entends une musique de type Kraken, de type quoi ? De type c'est la merde, je pense. De type c'est la merde. Mégalodon à l'arrière, Il est juste derrière nous. Attention. Ah, merde, j'ai pas de balle dans mon flingue. Bon. C'est bon. C'est juste une anguille. Ok, c'est bon, il a des pop. Ok, on va pas tarder, redresse très très légèrement sur tribord et on va pas tarder à jeter l'ancre, soyez prêts. Ah, je suis dessus. Redressez encore un petit peu à droite, s'il te plaît. Et attention pour l'ancre. Maintenant. C'est peut-être un peu tôt, même. Ouh là là. Parfait. Ah non, ça a tapé. Ça a tapé. Frotté à peine. C'est la peinture. Il y a un coffre sur l'île, je sais pas ce que c'est. Coffre au trésor. C'est un coffre au trésor à la con, je le mets à côté du bateau. On s'en fout. Du coup, ils avaient dit quoi exactement par rapport à cette île ? C'est vrai, je me souviens même plus de ce qu'il y avait noté dessus. C'était le truc où ils dansaient, non ? Ah, peut-être, oui. Je sais pas. Non, je suis pas sûr. Attends. Ouais. Si, on venait tout juste de mater le capitaine Quickshot et on était parti sur Lagoon of Whispers pour se ravitailler. Non, ça on l'a déjà fait, c'est pas cette île-là. Alors du coup, attends, j'ai compris. On a déterré un vieux coffre dans le sable humide de Sea Dog's Rest. Au fond, on a trouvé deux moitiés de médaillon. C'est sur cette île-là. C'était ça, pardon. Excuse-moi. Mais sauf que derrière, y a pas un truc. Non, mais c'est Mintos qui a creusé un peu n'importe où. Ouais, oui, c'est moi. Mintos, le chien fou. Le troueur. Bah, je pense que c'est pas une bonne île, mais du coup, je sais pas où aller. Bah attends, c'est dans le sable humide. Donc déjà, c'est sur le sable, donc ça doit être une zone un peu. Non mais en fait le truc c'est on avait déjà lu ça et le truc c'est qu'on s'était dit s'ils ont déterré le coffre ils l'ont pas réenterré ensuite. Mais il y a peut-être une trace d'un truc qu'ils ont laissé. Sinon on creuse toute l'île hein, elle est petite. Mais le jeu te fera jamais faire ça en fait. Ah bah attends, notre première danse. On l'a déjà fait ça. Ah ouais ça, Ah mais attendez, il y a un nouveau truc là. Quoi? Ah bon? La dernière page, c'est plus la même. Mais oui, c'est ce que je disais, il y a une page en plus. Oh. Ah mais merde! C'est magique. Ah oui! Ah, je suis encore lucide, hein. Rose face à Georges, en arrière, 2-3, à gauche, 2-3, en arrière, 2-3, à gauche, 2-3. Non mais surtout, en fait, ils disent où est-ce qu'ils ont fait leur première danse, ils le disent. Ils disent on a répété notre danse là-bas. Bah dans ce cas-là, il faut je suppose que c'est des pas de danse qui doivent indiquer comme une carte de trésor. Oui, exactement. Pensez à compter par 3 pas. Nous avons répété notre danse sur Wanderer Refuge. Bah go là-bas. Je pense qu'il faut juste aller à l'endroit où ils dansent et on va creuser là. Hein. Ouais. Putain, mais le jeu il est trop bien. Je vais jouer à ça, je crois, demain. Il y a peut-être l'aventure, il y a peut-être une aventure, je sais pas. Il y a peut-être une aventure. Putain, il y a un moustique qui me tourne autour depuis le début du stream et je n'ai toujours pas réussi à le tuer, ça fait... Moi c'est des mouches en ce moment, je pète un câble sur les mouches. Petite raquette custom là sur batterie. Ok, bah vous préparez l'encre. Hein. Okay. Oui l'encre, oula. L'encre, soyez prêts. Je me mets sur l'encre. Maintenant. Très bien. Bravo. Bravo à tous. Et j'ai trouvé déjà le truc. T'es sûr que c'est ça ? Bah regarde cet arbre là. Il a exactement la même forme. Ah oui, t'as raison. Il est exceptionnel. On voit même les arbres au-dessus, c'est là. Bah creuse là. Enfin, je vais creuser là, attends. Non, il faut faire le truc, hein, je pense. Hein, c'est ici qu'ils ont... Si on se fie au truc, c'est que c'est ici qu'ils ont commencé à danser au pied de cet arbre. Alors, vas-y, Florence et Angle, mettez-vous en face et je vous lis le truc et peut-être vous reculez, vous faites ce que je vous dis. Du coup, il faut multiplier par 3 ou pas, du coup ? Non, je pense pas, mais on va faire le truc de base. Mettez-vous là où il y a Mintos, vous êtes prêts ? Oui. Mintos, mets de la musique, là, pour ce moment. Ah, petite musique, petite... Bah oui, une petite musique, là, s'il te plaît. Il faut qu'il soit en face, comme ça, hein. Ouais, mais c'est ça, Rose, t'es là ? Viens là, Rose. T'es là, et Georges, tu te mets en face. Ici, là, voilà, là. Non, pas là, là. On va se prendre une tempête. Georges, mets-toi en face. Ah oui, effectivement. En arrière, 2-3. Donc, Rose recule de 3 pas. Georges avance de 3 pas. Georges va à gauche de 3 pas. Rose va à droite. Les meufs, faut s'en occuper, par contre, parce que sinon on bouge, on est foutus. Hein. Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Non, c'est pas ça ce qui est dit, Fred. C'est le contraire. Georges doit aller à droite. Rose va à gauche de 3 pas, Georges va à droite de 3 pas. Non mais de toute façon je lis le truc. En arrière de... C'est plus simple comme ça. Non mais c'est plus simple ce que je fais là. Mais non mais pas ça, Mintos, pas cette musique enfin. Oh, je sais pas. Mais une musique romantique, ils sont en train de danser. Une musique romantique ? Bah attends. Fred. Oui ? Fred, je vais me mettre là. Oui ? Dis-moi ce que Georges doit faire juste. En avant, 2, 3. À droite, 2, 3. En avant, 2, 3. À droite, 2, 3. 3. En arrière, 2, 3. À droite, 2, 3. En avant, 2, 3. Bon alors allons-y parce que l'eau va avancer, on va être baisé comme des rats. Non. Alors le truc c'est qu'il y a marqué pensez à compter par 3 pas. Est-ce que ça... Attendez, il y a des mobs. Oh,
Il m'a tué. Oh là là, c'est vrai que j'avais oublié qu'il explosait ce truc. Il m'a tué. Tu peux Perez ? Ouais, c'est malaise. Ouais. La merde, c'est la merde. C'est pas grave, malaise. On va rester sur le bateau. Mais voilà, pensez à compter par trois pas. Est-ce que ça veut dire que chaque fois que je dis en avant, un, deux, trois, tu dois faire le double, tu vois, le triple ? Ça m'étonnerait. Parce que sinon, cette mention, pensez à compter par trois pas. Ça serait Bah non mais c'est par trois pas quoi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bah c'est exactement ce qu'il y a écrit en fait. Fais penser à bon clé dans One Piece. 1, 2, 3. Mais ça doit être la position de départ qui n'est pas la bonne. Ouais je pense aussi ouais. En fait faudrait qu'on le fasse en même temps. Tu vas nous placer exactement de la même façon qu'ils sont sur le dessin Fred. J'entends un ennemi, il est là. Gaffe pas ses balles sur la poule. Non mais c'est la poule. De ce que je vois elle est sur le... Elle est sur le gazon en fait, donc Rose est sur le gazon, ça veut dire que Rose, tu es là, précisément. George, il est sur le sable, tu es juste en face, et ils sont à portée de main l'une de l'autre. C'est là, exactement là. Ok, d'abord tu vas dire ce que doit faire... Tu dis ce que fait Florence et ce que je fais moi. Ok, je vous le dis alors. Rose face à George. En arrière, 2, 3. George face à Rose. En avant, 2, 3. Rose, 3 pas à gauche. Georges, trois pas à droite. Non, t'es allé trop loin. Non, j'ai fait 3. Ah bah, je suis exactement au même endroit que toi. Gros mob, repérez où vous êtes. T'as fait 3 pas en avant, ensuite Georges, 3 pas à droite. Rose, 3 pas à gauche. Rose, 3 pas avant. Georges, 3 pas avant, pardon. Et Rose, 3 pas arrière et c'est fini. C'est là où j'ai creusé et c'est pas ça. Donc non, c'est pas ça. Après, c'est vrai effectivement que ça sert à rien de faire les deux. Normalement, vous êtes censé toujours face à vous êtes, c'est une valse, donc ils sont censés se tenir la main en permanence. Donc, ok, vas-y, Antoine, bouge pas là où t'es. Regarde vers la mer. Voilà, t'as la bonne direction. Fais ce que je te dis. Reprends la boussole, fais ce que je te dis. On va réessayer. 3 pas en avant, 3 pas à droite, 3 pas en avant, 3 pas à droite, 3 pas à droite et 3 pas en avant. Et non, c'est exactement le même endroit que tout à l'heure. Attends, et si je fais un pas à chaque fois, juste pour voir. Vas-y, dis-moi ce que je dois faire, droite, gauche, en Il y a vraiment cette note pensée à compter par 3 pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Bah, est-ce que ça voudrait dire 9 pas par hasard, tu vois ? Bon, on peut toujours tenter, puisque on a fait plusieurs fois et que ça marchait pas. Vous avez déjà deux objets ? Si oui, go revoir Madame Olivia. Ah bon ? Comment ça ? Comment ça, on a déjà... Apparemment... Oh, putain, il y avait... Apparemment, à cause du reset, on avait déjà les deux objets, quoi. Oh merde. À cause du reset, ça a fait une autre énigme. En fait, les énigmes sont générées de façon... Coup dur. C'est un peu c'est anticlimatique, comme... À aucun moment, ils nous ont dit... oui, c'est bon, allez-y. Je pouvais pas savoir qu'il fallait revoir là. Surtout qu'ils parlent de quatre endroits différents. Coup dur, malaise. Ouais, c'est cringe comme fin, moi, je trouve. Quoi ? Hein ? Ah, c'est reboot de serveur. Vraiment ? Non, mais non, ça va rien changer pour nous. Pitié ! Vas-y, on lève l'ancre. Tout ça, c'est la faute à Mythos. Complètement la faute, ouais. Je prends, voilà. Du coup, on va à Sanctuary, c'est on va, c'est ça ? Ouais, baisser les voiles. Si t'as des couilles, tu passes entre les rochers. Non, j'aurais pas le temps de passer entre les rochers. T'as pas de couilles ? Non, j'en ai pas, non. Ah, il y a le double rocher peignin aussi. Ils sont pas peignins ? Si, un peu. La bite ressemble à ça, il faut voir un docteur d'urgence. Nous arrivons à Sanctuary. Ok, soyez prêts. Mais non, et tourne à droite. Ah bah merde, on me l'a dit un peu tard, je vais pas te mentir. Oula. Alors là, je pense qu'il va falloir écoper les amis. Hein. Ça frotte un peu. Ok, faut prendre les deux objets qu'on a. Qui m'a balancé de l'eau à la gueule là ? Bah je crois que c'est moi sans faire exprès. Quelqu'un a pris de ça, ouais. J'en profite pour ramasser des tonneaux au cas où... Et non, du coup, bah non mais faut aller parler à la meuf là. Faut qu'on y soit tous les quatre, je pense. Ah, vas-y, j'arrive. Qui a fait ça ? C'est parce que je brûle d'envie de connaître la suite. Est-ce que t'avais préparé ta vanne Ouais, depuis le début du stream, en vrai. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a tout cramé ! Putain, mais je crame encore ! Mais oui, mais parce que Fred est venu alors qu'il était... Allé dans l'eau ! Du coup, je regarde. J'ai trouvé la boussole enchantée. Fred, il est venu, il brûlait, et du coup, il nous a brûlés après. Oui. Ok, cette boussole va nous mener à Rose et George. Alors, ils sont sur l'île ? Du coup, faut qu'on aille par là. Mais c'est comme dans Pirates des Caraïbes On va trouver leur tombe à tous les coups. Hein. Oh non ! Surtout, m'aidez pas, hein. Ah, je suis à la barre, hein. Moi je pointe avec la boussole là. Évidemment, ça sera full contre le vent parce que. Why the fuck not? C'est ça, tu regardes où va le vent, tu vas à l'envers. Voilà, c'est tout. Bah, en fait, c'est l'île qui est devant. Hein. Peut-être celle-ci ou peut-être une autre. En fait, faudrait la contourner, voir si la boussole tourne autour. Ah, oui, d'accord. Quel grand jeu. J'aurais aimé être pirate.
pas vrai, t'aurais pas aimé. C'est vrai, je serais mort à 30 ans. Tu serais mort du typhus au bout de 2 mois. Voilà. Putain, n'empêche, ils ont fait un add-on, comment ça s'appelle, Pirates des Caraïbes, là, sur Sea of Thieves. Imagine comme les gens, ils deviendraient ouf s'il y avait un add-on One Piece, quoi. Genre, on te file un log post et tout, avec des, où tu arrives sur des îles avec des phénomènes chelous un peu. Bah, en vrai, ça serait la licence avec Pirates des Caraïbes qui irait trop bien pour le jeu, quoi. Le banger. Les gens, ils deviendraient zinzin. Et là, il vendrait 4 millions d'exemplaires du jeu. Alors ouais, c'est vraiment, ça ne peut être que sur cette île vu comment le truc tourne. Et en plus, la boussole se met à suinter de la fumée là, donc. Et préparez-vous à jeter l'ancre. Vous me dites. Maintenant. Ok, bah maintenant le but c'est de les trouver. On va suivre la boussole. Les cochons. Hein. Voilà, regardez. La musique triste, évidemment. Médaillon de rose. Oh, c'est leur cadavre carrément. C'est de rose. Note de rose. J'ai ramassé le truc de rose là. Nous devions nous marier aujourd'hui. Me pardonneras-tu? J'espère que tu t'en sortiras. Georges, je t'a. Et elle a pas eu le temps d'écrire. T'aime. Oh non. Terrible. Mais nous, on voulait du fun. Eh bah, tu n'en auras pas. Mais je suis dévastée. Maintenant, faut trouver Georges. La boussole, maintenant, indique Georges. Ça, c'est feels good, hein, les quêtes dans... Oui, c'est super. Ok, je retourne au bateau. Non, sur le ponton, d'ailleurs, il y a un tonneau explosif. Tu devrais le prendre, quoi. Are you sure about that? Je vois pas ce qui pourrait se passer mal. Ok, bon, bah, let's go. Ça frotte le bord. Bon, ça va, ça risque rien. C'est un peu comme le Titanic, tu vois, ça fait que frotter le bord, quoi. Ah, Florence? Oui. Tu prendras la sirène? Oui. Tu restes avec le squelette? J'ai l'impression d'avoir raté mon bus et de courir désespérément après mon bus. Et coucou au chauffeur, mais ce bâtard il s'arrête pas, quoi. Ouais, mais t'imagines s'il s'arrêtait à chaque fois pour tout le monde. Ah bah super ça, hein. C'est tout droit. Attention, 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 nous dit angle droit. Je pense que c'est pas la prochaine île, c'est la suivante, la grosse qu'on voit au fond. Hein. C'est pas celle où on était tout à l'heure? Je suis pas sûr que ce soit celle qu'on regarde en fond, hein. Franchement, ça indique pas ça, hein. Le vent de mort, on l'aura pas une seule fois, j'ai l'impression de prendre tous les feux rouges. Moi je pense que c'est cette petite île à la con, hein. Non, je suis pas persuadé que c'est pas celle-là. Si tu laisses le truc comme ça sans appuyer dessus, on dirait, ça te donne l'effet, mais regarde, clic gauche dessus, ça n'est que la même chose. La grosse en face? Ouais, c'est la grosse en face, hein, je pense. Ah, oh, ça fait plaisir, on a le vent, on avance plein balle, quoi. Putain, tu vois, c'est là où tu vois la différence, hein, quand on a le vent, putain. Ouais. T'as, les vagues sont tellement bien. Quand t'es à pleine vitesse, que t'as vraiment des gros creux dans les vagues, c'est vraiment agréable. Redresse sur bâbord, hein, par contre, si tu veux. Je suis en train de le faire, c'est compliqué en vrai. On va tellement vite que c'est compliqué. Bah, tribord, redresse. Oui, je remonte les voiles, soyez prêts à lâcher l'ancre. Lâche, maintenant. Nice. Bah, faut suivre la boussole, du coup, hein, pareil. Oh, en espérant que ce soit cette île. Ah, oui, c'est ça. Oui, il y a une cinématique qui se déclenche. Rook. Faut la buter. Ouais, c'est le combat de boss, ça y est. Je vais mourir. On l'a tué. Déjà elle est morte. On a juste trouvé le médaillon de Georges. Je vais chercher l'autre médaillon. Okay. Tu veux qu'on rassemble les deux médaillons du coup? Ouais, bah vas-y, on le fait sur le bateau. Ah, j'ai plus de vie! Pitié! Oui, peut-être que ça a rien à voir, hein, s'il faut. Mais je me dis, s'il y a un médaillon à deux trucs, c'est con de pas. Il y a écrit, il faut le. Vas-y. Il faut y retourner encore? Ça fait quelque chose? Non? Bah, vas-y. On peut pas s'emboîter? On te vient de stunner, monsieur? Bah, non, je pense pas. Bah, faut juste le ramener alors. Vas-y, venez sur le bateau. Est-ce qu'il va y avoir un truc genre, il était sur l'île depuis le début, un truc comme ça? Non, je pense pas. Oula, ça va gratter! Non, ça gratte! Ça gratte! Non! Je vais couper. Mais non, ça n'a pas gratté. Mais une musique tranquille, Mintos, comme c'est la fin, musique il faut... tranquille. Ouais. Okay. C'est bien ça, voilà, ça c'est bien. Il faut que ce soit mélancolique pour la fin. Voilà, on est mélancolique. Pour Rose. Rose qui est morte comme une merde, toute seule. Comme une grosse merde. Elle était nulle à chier. Si elle était si bien que ça. Big F pour Georges aussi, hein. La merde. Georges la merde. Un beau couple de merde. Et Big F pour Gérard Jugnot aussi. Je viens de réaliser que tu ressemblais à Gérard Jugnot, Florence. IRL ou dans le jeu? Gérard Jugnot en femme. Non, IRL, ça serait méchant quand même. IRL aussi en vrai, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Fred, je te vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame de la cantine. Attention, il va falloir lâcher l'encre. Genre, maintenant. C'est bon, Mimito, c'est sur le coup. Mais putain, mais Fred! Non, ça c'était Antoine pour le coup. Quoi, moi? Moi je pouvais pas aller tout manger avant. Oh, bah ça crame! Merde, ouais, qui. Prenez les médaillons! Ça serait une belle fin pour notre navire. C'était un trouble, quoi. C'est ça, la fin à la Vogue Mairie. Je fais comme les briquets dans les concerts. Oh là là, va faire le rituel. Voilà. Le rituel interdit, là. Elle va crier, je pense. De douleur. J'espère qu'on aura plus besoin du bateau. Oublie-le. Ouais, je pense qu'on va l'oublier, effectivement. Oh là, elle met un cheveu. Elle a mis c'est une poupée vaudou. Oula. Ah oui, d'accord. La routine. T'es une super salière. Bah dis donc.
Pas de respect pour les morts. Un manque de respect. Mais tout à fait, mais oui. Oh là là. Elle est possédée. Oh. Georges et Rose. Oh les merdes. Mais non. Oh, si, si. And then they fucked. Vous cassez tout. Georges et Rose. Oh le petit cœur là. Et voilà. Let's go. Gagné. Félicitations. En route pour de nouvelles aventures. Ah ben non. Ah ben non. Vous voulez pas qu'on joue de la musique devant le bateau en train de brûler pour finir? Et qu'est-ce que je fais avec ce crâne là, pourquoi je suis verrouillé, c'est un bug? Attendez, mettez une musique mélancolique pour finir parce que c'est mélancolique quand même. Bateau de merde là. Ah, y a rien de mieux qu'une autodafé pour finir. Moi tout ce que je retiens c'est que Anton Daniel a mis le feu à un bateau avec un drapeau LGBT en haut quoi. C'est ouais. Ce que l'histoire retiendra. Hein. Le crime de haine de Antoine Daniel. Demain sur hitech.fr. Je vois déjà les vidéos de psychodélique. Bon, ça coule là. Ouais, c'est vrai que c'est long. Hein. Moi je dis, il coule pas. Hein. Mais sinon, regardez. Faites échappe. Mon équipage. Vous faites ensuite. Vous allez dans Mimitos. Vous faites. Non, non, pitié, pitié. Allez, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant il faut sortir les violons. Au revoir, Mintos. Hein. Au revoir, Mintos. Hein. Happy birthday to you. Et franchement, c'est une fin classe, Mintos. Hein. Ah, mais merde, il est encore vivant, ce con. Ah, bah, salut. Hein. Mais comment je sors? Bah, je crois que c'est moi qui ai la clé, mais. Je suis vraiment déso, bro, quoi. Je suis si sad. Bon, bah, merci pour cette soirée, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Ouais, bah, merci, ça se finit bien, ouais. Ouais, c'est cool. Ça finit sur une bonne note. Carrément, hein. Allez, bah, des bisous, du coup, à la prochaine.